الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'a d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Quel est le thème? Comment les 2500 mosquées de France ne vont pas laisser nos enfants galérer en bas de la cité? Bah oui, puisque depuis des décennies en France, qu'est-ce qu'on fait? Pendant le mois du Ramadan, on est en train de gâter les papas avec des conférenciers, hein, c'est ça, avec des érudits, des savants, des grands récitateurs. C'est normal, on leur fait plaisir. Mais nos enfants, cette année, elle est un peu spéciale. Bah, toutes les années, mais celle-là, elle est plus spéciale. On sait que beaucoup de jeunes n'ont pas aller en vacances. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants? Ils vont galérer, ils vont exploser. Voilà. Donc, notre objectif, c'est comment nous, on va s'occuper de notre jeunesse dans les quartiers. Voilà notre objectif. Des mosquées pour l'été. Pourquoi? Parce que le Ramadan, c'est le mois des hasanats. C'est vrai. Et l'été, c'est le mois des saïettes, vous le savez très bien. C'est le mois où les péchés, alors là, ils augmentent. Plus que les autres mois. Comme le Ramadan, c'est le mois où il y a le plus de hasanats. Eh bien, l'été, le diable et toute son armée, il dévaste la terre. Comment notre jeunesse, il va l'égarer. Donc, notre rôle, c'est quoi? C'est de protéger notre jeunesse pendant tout l'été. Très bien. On va commencer par un verset du Coran. Qui se trouve dans la sourate Al-Imran. Allah dit dans le Coran: Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit, et dans les 120 traductions, c'est à peu près la même, hein, vous êtes depuis toujours, depuis longtemps, la meilleure communauté suscitée aux gens. Vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. L'imam Al-Qurtubi, dans son exégèse, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit « Nous sommes la meilleure communauté jusqu'à la fin des temps » Non. Il dit « Allah n'a pas dit « Vous êtes Al-Khayriya », l'occurrence Khayriya. Allah n'a pas dit « Vous êtes la meilleure communauté jusqu'à la fin du monde ». Non. L'imam Qurtubi il dit « Vous êtes une excellente communauté à une condition. » Les nas, c'est quoi les nas? Nas, c'est les gens. Vous êtes une excellente communauté si vous êtes utile aux gens. Essayez d'approcher, combler les espaces vides, que Dieu vous protège et vous récompense.
Allah n'a pas dit, l'imam Qurtubi l'a dit, Allah n'a pas dit, vous êtes la meilleure communauté au sens électif. C'est-à-dire que vous êtes au-dessus de tout le monde, vous êtes les meilleurs, les musulmans. Allah dit, vous êtes la meilleure communauté. Mais si on était les meilleurs, ben pourquoi le sang qui coule le plus dans le monde entier, c'est le sang des musulmans? Si on est les meilleurs, pourquoi les jeunes dans les cités, ils se bagarrent entre eux? Si on est les meilleurs, pourquoi la majorité des détenus en France sont des musulmans? Non! L'imam Qurtubi a raison. Allah a dit, vous êtes une excellente communauté. Vous, les musulmans, attention, à condition. Si vous êtes utile aux gens, ukhrijat lin-nas. Si vous êtes utile pour les gens qui habitent la terre, vous êtes les meilleurs. Mais si vous n'êtes pas utile aux gens, alors là, Omar ibn Khattab, il le dit lui-même. Vous n'êtes pas la meilleure communauté si vous n'êtes pas utile aux gens. Très bien. On va commencer par un hadith. Le hadith, il est dans le recueil d'imam Al-Bukhari Muslim. Bukhari 5984. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas radiallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu sallam a dit Nasser akhaka daliman ou matlouma. Subhanallah. On en a vu des écrivains qui ont fait des recueils, qui ont fait des récits, des livres. Mais 14 siècles après, une phrase comme ça, on ne la trouve pas. 14 siècles après l'événement du messager de Dieu, une phrase comme ça, on n'en trouve pas. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit « Assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Ça n'a pas l'air logique, normalement. Logiquement, hein, ce n'est pas clair. Le prophète dit « Nasr araka daliman au madlouma. » Et les compagnons sont là. Alors il y en a un qui va poser une question au prophète, alayhi salatu wasalam, parce qu'il ne comprend pas trop bien. Et il va dire « Ô messager de Dieu, nous sommes d'accord pour assister le madloum, l'opprimé, c'est normal. Mais daliman, assister un oppresseur, comment ça ?» Et le prophète va répondre, alayhi salatu wasalam, « Oui, vous pouvez l'assister en l'empêchant d'oppresser les gens. » Et le fait d'empêcher d'oppresser les gens, c'est l'assister. Voilà, notre prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit quoi ? « Allez-y, c'est parti, cet été, il faut quoi ?» Aider notre jeunesse. En fin de compte, mes chers frères, vous êtes d'accord avec moi, si on suit un peu l'actualité de la France et du monde entier. Regardez depuis la 5e République, et bien avant, 1936. Vous avez vu le nombre de réformes qu'il y a eu en France? Des réformes, il y en a eu. Des milliers de réformes. La réforme de la sécurité sociale, la réforme des retraites, c'est ça? 1981, 60 ans, hein? Les femmes 55 ans. Des réformes, il y en a eu. Réforme de la sécu, réforme des retraites, c'est ça? La réforme de l'éducation nationale, plein de réformes. Et ça n'arrêterait pas. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'évoluer et de s'adapter. Donc il y a beaucoup, beaucoup de réformes. 73, c'est quoi? L'obligation de mettre la ceinture de sécurité. Donc elle est bonne, cette réforme. Très bien. Eh bien, en vérité, vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? Il est temps de réformer les mosquées. Ouais. Il est temps de réformer, puisqu'on fait des réformes. Pourquoi on ne réforme pas les mosquées? Les mosquées, elles sont en retard. Elles ne sont pas d'actualité par rapport aux problèmes qui sont devant nous dans la communauté. La communauté a de plus en plus de problèmes et la mosquée n'arrive pas à suivre. Vous savez, quand tu délocalises des sociétés dans ton pays, hein, et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être ça va être moins cher à l'étranger, c'est évident, d'accord? Mais tu vas créer du chômage. Et si on délocalise les activités de la mosquée, oh, ça va à la mairie. C'est son travail. Ah, c'est à la police. C'est son travail. Tiens, c'est les éducateurs. Et la mosquée, on fait quoi? Ben, la mosquée, c'est des dars. Un peu de Coran, un peu de fiqh, un peu de dars. Et la jeunesse, ah, ben, vous comprenez pas l'arabe, les jeunes. Restez en bas de la cité. Restez en bas de l'immeuble. Restez en bas du quartier. Non, 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 non. Regardez bien le grand savant qui s'appelle Ibn Jubayr, de 1145. Dans son recueil qui s'appelle Tadkir bil Akhbar. Qu'est-ce qu'il dit? La mosquée Omeyyade de Damas. Aujourd'hui, il n'y en a pas une mosquée comme ça. Il n'y en a pas une. 2020, il n'y en a pas une. Et pourtant, les musulmans font de hautes études. La mosquée Omeyyade de Damas. 1. C'était un hôpital. 2. Un lieu de rencontre. Oui, un lieu de rencontre. D'accord. Un lieu, écoutez bien, de détente. Tu voulais te détendre? C'était quoi? À la mosquée Omeyyade. 3. C'était un endroit de recueil de livres. C'était un endroit où on copiait les livres. C'était un endroit de marche. C'était un endroit où on faisait du sport. C'était un endroit de restauration. Les gens avaient faim, on leur donnait. Et c'est à l'endroit où on accueillait les voyageurs. Allez, trouvez-moi des mosquées aujourd'hui. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a comme réforme? Il n'y a que deux réformes. Depuis qu'il y a eu les 2500 mosquées en France. La première en 1905. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a eu comme réforme? En 2005,
Hein, une grande réforme qu'il y a eu, c'est quoi? Les katatibs, les écoles coraniques, qui ont fleuri partout. Maintenant, il y en a plus de 5000 en France. Mais avant ça, oh, une école coranique, c'était quoi? La mosquée mercredi, samedi, dimanche, pour la baraka. Mais maintenant, mashallah, il y a des écoles coraniques dans toutes les mosquées pour les enfants. Très bien. Les salles des femmes à l'époque, oh là là, on n'y pensait même pas. Maintenant, alhamdoulilah, quand on construit des mosquées, on commence à penser à des salles pour des femmes. Donc elles ont un peu évolué, c'est vrai. Maintenant, alhamdoulilah, on commence un peu à imiter la mosquée du prophète. On commence à penser aux femmes, on leur fait des endroits. Et aux enfants pour la madrasa. Et les adolescents, ils sont où? Les adolescents, ils sont où? Il n'y a rien. Absolument rien. Après, on pleure pour notre jeunesse. Ouais, la jeunesse, elle est où? La jeunesse, elle galère. La jeunesse s'embête. Mais les mosquées ne répondent pas aux problèmes de la jeunesse. Et vous allez voir cet été. Vous allez voir, la chaleur, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe depuis deux années passées? Des canicules. On a eu deux fois la canicule. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? Le street pooling. C'est quoi le street pooling? Le street pooling, c'est quoi? Ça s'appelle les piscines de rue. D'accord? C'est un événement qui est venu en 2015 en France. Ça vient des États-Unis. C'est quoi? Les piscines de rue, quand Philippe, Jean-Paul, Thierry, c'est ça? Robert, ils ouvrent quoi? Les vannes d'incendie. C'est eux, hein, c'est pas nous, c'est pas les musulmans. Alors vous savez l'année dernière combien ça a coûté? Juste en Ile-de-France, 600 000 mètres cubes d'eau. 600 000 mètres cubes d'eau. 250 piscines olympiques. 3 millions d'euros. Seulement l'Ile-de-France. Voilà. Et qu'est-ce qu'Allah va nous dire le jour du jugement? Ah ben vous les musulmans, là, de Massy, les alentours, les villes de région parisienne, vous les présidents, les imams, vous baissiez les yeux quand vous passiez faire l'asr, hein, en direction de la mosquée. Et vous voyez vos petits frères, hein, vos enfants, qui allumaient les robinets. Et tu disais quoi? Ben, la police, elle a qu'à faire son travail. Et nous, on n'est pas responsables. On est responsable devant Dieu. Comment tu peux faire une prière tranquillement? Comment tu peux être concentré, être en contact avec Allah et tu vois l'eau qui coule et qui se gaspille? Un musulman, vous savez ce qu'il m'a dit l'année dernière? Il faut qu'il se rafraîchisse, les jeunes. Va dire ça à ton pays d'origine. Tu verras, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ça coûte cher. Tu ne diras pas ça dans ton pays d'origine. Mais parce que ici, c'est pas mon bled, c'est pas grave. Vous vous rendez compte à quel degré? Donc c'est pour ça, mes chers frères, le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez comment lui, il s'engageait avec la jeunesse. On va commencer par donner une histoire qui est dans le recueil de l'imam Al-Bukhari. Anas radiallahu anhu était un enfant de 8 ans à 18 ans. Umm Sulaym al-Rumays bint al-Milhan al-Ansari, sa maman, hein, qui a divorcé de Anas, de son père Malik, puisqu'il n'a pas voulu d'islam. Alors, elle s'est mariée avec un adorateur de feu. Mais la condition, c'est quoi? C'est qu'il se convertisse à l'islam et il s'est converti à l'islam. Palha. Très bien, elle va dire au messager de Dieu, Anas a 8 ans. Veux-tu le prendre avec toi pour lui enseigner l'éducation, la religion, la vie, le bon comportement? Allez, vas-y, je te prends. Et il va travailler 10 ans pour le prophète, alayhi salatu salam, gratuitement. Hein. Regardez cette scène. Comment le prophète il se comporte avec la jeunesse? C'est pas son fils. Hein. Un jour, le prophète, alayhi salatu salam, raconte Anas, dans le Bukhari, et il dit, le prophète m'a envoyé pour une course. Je vais dans la, faire ma course pour le prophète, et je m'arrête en bas de la cité, à Médine. Et je vois des jeunes. Et je reste avec eux, et je galère, je papote. Et j'ai complètement oublié la course que le prophète m'a envoyée. Tout d'un coup, je suis en train de discuter avec les jeunes, et quand je me retourne, qui vois-je? Le prophète, alayhi salatu salam. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui, quand on voit ton fils faire une course, et ça fait une heure que t'attends, et quand tu descends en bas de la cité, tu le vois avec des jeunes? Oh, tu vas exploser. Non, tu sais quoi? Je vais te hacham, je vais t'humilier devant tes copains. Je vais te mettre une claque, je vais te mettre une trempe, et comme ça, ça te fera une bonne leçon devant tes potes. C'était capable de faire ça en 2020. Toi. Non, ça, c'est pas le messager de Dieu. Vous savez ce que le prophète va faire? Il va le regarder, et Anas, il va regarder le messager de Dieu, et le prophète, il va lui sourire. Il va dire, alors Anas, tu m'as oublié? Oh, messager de Dieu. J'étais avec les copains, je m'amusais, j'ai oublié, je fonce. Aucun reproche, aucun verset du Coran, aucun hadith, même pas un coup. Voilà le prophète, comment il est, alayhi salatu salam, avec la jeunesse. Deuxième histoire, parce qu'on doit terminer de bonne heure, parce qu'on doit raconter une belle anecdote. Dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, authentifié par les Muhadithoun, Anas raconte toujours que le prophète alayhi salatu est dans la mosquée avec les compagnons. Imaginez-vous la scène. Hein? Le meilleur des hommes, les meilleurs hommes sur la terre, après le messager de Dieu, et les prophètes bien sûr, le meilleur endroit Médine. Très bien. Le prophète est dans la mosquée, un jeune homme va rentrer, un jeune homme. Et vous allez voir les savants vous dire qu'il a la science, et il craint Dieu. Vous allez voir pourquoi? Il a la science et il craint Dieu. Ce jeune homme, il rentre dans la mosquée du haut messager de Dieu.
permets-moi d'avoir des relations avec une fille. Bah, j'ai envie de m'éclater, je vais aller avec une fille. Vous vous rendez compte? Vas-y, quelqu'un en 2020, il rentre dans la mosquée, dit imam, j'ai envie d'aller avec une fille, m'amuser avec elle. Ah, astaghfirullah. Même toi, t'es mal. Tu sais pas quoi, même toi qui te mets dans un coin, t'as pas l'habitude, le problème est là. C'est quand t'as pas l'habitude d'aller dans les quartiers voir la jeunesse, t'es choqué. Ouais, quand on est dans une bulle là-dedans, on va pas dans le quartier, on comprend pas ce qui se passe. Donc la jeunesse, pour nous, on est choqué. Alors, il dit, permets-moi d'avoir des relations avec une fille. Regardez bien, les sahabas sont choqués, eux ils sont choqués, mais pas le prophète. Il réagit pas. Il n'y a pas de formule, astaghfirullah, a'oud billah, la hawala wa la quwwata illa billah, mon frère taqlek, c'est toutes ces formules magnifiques. Alors regardez bien, le prophète lui dit, approche-toi de moi. L'homme il s'approche, le jeune homme il s'approche, et le prophète lui dit, voudrais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta maman? Je sacrifierai mon père et ma mère, personne ne fera ça avec ma mère. Très bien, ça s'appelle quoi? Vous savez quand ça s'appelle une chimiothérapie. Une chimiothérapie. Il y a les rayons laser pour tuer les calculs dans les reins et il y a les rayons laser pour tuer les calculs dans les cœurs. Et c'est ce que le prophète fait. Très bien. Il lui dit, alors voudrais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta sœur? Ô messager de Dieu, je sacrifie à mon père et ma mère, personne ne fera ça avec ma sœur. Le prophète, il continue son traitement. Voudrais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante maternelle? Ô messager de Dieu, je sacrifierai mon père et ma mère, personne ne fera ça avec ma tante maternelle. Alors voudrais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante paternelle? Ô messager de Dieu, personne ne le fera. Je sacrifierai mon père et ma mère. Personne ne fera ça avec ma tante paternelle. Le prophète dit, approche-toi encore un peu. Ah, ça c'est une méthode, c'est une usloub, c'est une darwa que le prophète nous a enseigné. Regardez, hein, pas de verset du Coran, hein, pas de hadith. Il n'y a pas de tout ça. Hein. C'est important de comprendre ce hadith. Le prophète dit, approche encore. Et il lui dit, il lui met la main sur le cœur et il dit, Allahumma tahhir qalbu. Allah purifie son cœur. Warfil dhanbu. Pardonne son péché. Le jeune homme va dire, ô messager de Dieu, ah, tu m'as dit ça, toute cette formule. Tu m'as dit avec mon père, avec ma mère, avec ma soeur, avec ma tante maternelle, ma tante paternelle. Tu m'as jamais ni fait un reproche, ni jugé, ni condamné, ni critiqué, ni versé du Coran. Rien de tout ça. Ô messager de Dieu, tout ce que tu m'as dit, ça m'a fait écœurer. Plus jamais je m'approcherai de cela. Vous avez vu? Magnifique. Voilà comment le prophète, alayhi salat, se comporte. Alors si nous on va voir les jeunes dans les quartiers, c'est pas pour leur tirer les oreilles. Non, nous, ni la police, ni des éducateurs. On doit aller dans les quartiers et discuter avec notre jeunesse. Parler avec eux. Quand on est parti à Dijon, après les problèmes de Dijon, on est arrivé là-bas, on a discuté avec eux. Subhanallah, ce sont des jeunes magnifiques. Toute la France a cassé Dijon. Ouais, même les youtubeurs, hein, même tous les conférenciers. Beaucoup de gens les ont cassés. Et vous savez ce qui s'est passé? Qui a réglé le problème de Dijon? C'est ni la police, on est parti les voir, ni la police, ni les éducateurs. C'est quoi? C'est un groupe de mosquées. Eh bien, quand les mosquées comprendront leurs responsabilités, il n'y aura plus de rixes dans les quartiers. Il n'y aura plus de bagarres dans les cités. C'est ça notre objectif. Mais non, ce n'est pas notre boulot. Wallah, Dijon, c'est un exemple. Les mosquées de Dijon, ils ont fait montrer que non, maintenant, on lave notre linge sale ensemble. On n'a pas besoin qu'à chaque fois, c'est les autres qui règlent notre problème. C'est notre communauté, c'est notre jeunesse. Eh bien, mes chers frères, il ne faut pas laisser tomber la communauté pendant cet été dans les quartiers en France. On est tous responsables. C'est bien de faire des activités dans la mosquée, mais eux, ils comprennent rien du tout. Ils comprennent pas ton charabia. Ils comprennent pas ton discours. Ils comprennent pas ta jurisprudence. Ils sont en bas, ils s'ennuient, ils galèrent. Pourquoi? Parce que vous, les gens de la mosquée, vous avez rien pour nous. Et devant Allah, on sera responsable, vous serez responsable. Donc c'est pour ça, mes chers frères, on demande à Allah Ta'ala que cet été, chaque mosquée de France s'organise à faire des activités. Je m'inquiète pas pour vous, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous êtes stables. Je m'inquiète pour notre jeunesse, 15, 16, 17 ans, qui n'ont rien à faire et qui galèrent. Et ne pleurons pas si demain ils font des motocross ou ils ouvrent les bouches d'incendie. Non, c'est pas la peine. On est responsable devant Allah. Subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. On passe à autre chose. Mes chers frères, Allah Ta'ala dit dans le Coran, kullu nafsin da'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Vous savez ce qu'il dit Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ibn Qabr Ibn Adam yunadi kulla yawma bi khamsa kalimat. Je suis en français direct, il me reste 5 minutes. Il dit, la tombe des fils de Adam te parle 5 fois par jour. Ya Ibn Adam, kull yawm timshi li yawma 'ala ad-dahri wa ghadan fatanamu fi batni. Tous les jours tu marches sur mon dos, mais demain tu vas dormir dans mon ventre. Tous les jours, tu marches en étant content sur mon dos, mais demain, tu seras triste dans mon ventre. Tous les jours, tu marches en rigolant sur mon dos, demain, tu vas pleurer dans mon ventre. Tous les jours, tu marches en désobéissant Allah sur mon dos, demain, tu seras puni dans mon ventre. Tous les jours, tu marches en mangeant sur mon dos, et demain, c'est le ver qui te mangera dans mon ventre. Oui, mes frères,
À qui le tour? À qui le tour? Nous sommes tous des mortels. On va tous rentrer dans une profondeur de 2 mètres sur 1,90 et 90 de large. Dans le froid, la couleur, tu ne la connaîtras plus. Le jour, tu ne connaîtras plus. Le goût, tu ne connaîtras plus. Le seul goût, c'est le goût de la terre. Et tu vas terminer comme un kebab pour les vers de terre. Voilà, la vie, elle est comme ça. On est tous des passagers. Mes chers frères, on a eu beaucoup de décès ce temps-ci. Là, deux, cette semaine, des commerçants de Massy, du marché. En plus, notre frère Souleyman. Notre frère Souleyman, c'est un jeune qui a grandi dans le quartier. C'est un jeune qui fréquentait la mosquée, qui venait au Jumu'ah. Une tragédie est arrivée. Comme toute tragédie, Allah l'a repris auprès de lui. Nous, mes chers frères, Allah va nous reprendre. En vérité, il est en train de voir quelque chose qu'on ne voit pas. Mais si Souleyman pouvait nous parler, vous savez ce qu'il nous dirait? Vous êtes fou. Vous êtes encore loin. Vous oubliez Allah. Vous ne lisez plus le Coran. Vous ne venez plus à la mosquée. Vous avez oublié vos parents. Vous êtes méchant avec les gens. Vous ne sortez plus d'argent. Il pourrait nous le dire, mais il ne peut pas nous parler. Mais lui, il est en train de voir un autre monde. Enfin, donc c'est pour ça, mes chers frères, on va faire doa pour notre frère Souleyman. Et aussi, mes chers frères, notre frère Mustapha, que vous connaissez, personnellement, je l'ai connu en 1989. Il est venu en France en 1981. Il a étudié la science religieuse dans la madrasa de Zeytoun en Tunisie. Il a connu son épouse dans la madrasa de Zeytoun en Tunisie. Il apprenait la sharia, il est sorti avec un diplôme. Elle apprenait la sharia, elle est sortie avec un diplôme aussi, et un diplôme de langue arabe. Ils sont venus en France en 89 à Massy. À Massy, avec deux mosquées, les deux foyers, Victor Bach et Ampère. Et il était là le vendredi, la mosquée de Victor Bach, l'autre vendredi, Ampère. C'était la science. À Massy, il n'y avait pas de savant. Il n'y avait pas de connaissance. Il n'y avait pas de religion. Il était là et il nous donnait le savoir. Et quand il parlait, il avait le littéraire, la fasaha. On était contents, c'était une fierté. Oh, à l'époque, avoir un savant dans ta ville. Mais il fallait peut-être payer pour avoir un savant. On avait un savant, on avait une savante. Il n'y avait pas de madrasa. On emmenait nos enfants chez sa femme pour qu'elle apprenne le Coran à nos enfants. On faisait déplacer sa fille qui ramenait le Coran dans nos maisons. On lui doit tout. Mustapha, c'est pas Mustapha. Mustapha, c'était la ville de Massy. Mustapha, c'est une famille entière. Il a éduqué ses enfants dans la religion, dans le dîn. C'est des exemples. Dans le dîn, ils sont au top. Dans le dîn, ils sont au top. Dans le dunya, ils sont au top. Je n'oublierai jamais, j'étais avec mon épouse il y a 3 ans. On était à Paris. Et puis, il n'y avait pas encore les applications pour connaître les horaires de prière. Et j'allume la radio et j'écoute Radio Orient. Sur qui je tombe? Sur Mustapha qui fait une conférence de jurisprudence. J'ai dit, subhanallah, il l'a mérité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup. Il a fait des livres qui sont édités chez l'édition Sana. Vous voyez, aujourd'hui, mes frères, si tu veux connaître la valeur de la vie, regarde bien, va visiter les cimetières. Si tu veux connaître la valeur de la santé, va visiter les hôpitaux. Si tu veux connaître la valeur du temps, va visiter les prisons comme je fais tous les lundis. Et si tu veux connaître la valeur des savants, mais fréquente-les. Mais on ne connaît pas les savants. Une fois qu'ils s'en vont, mince. Enfin, donc c'est pour ça, mes chers frères, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de ne pas oublier ces gens-là. Et aussi, mes chers frères, non seulement qu'on n'oublie ni Souleyman, ni Mustapha, et tous ceux qui quittent ce monde-là. Je terminerai avec cette histoire. Elle s'est passée à Bagdad. Il y avait les Bagdadis, c'est en l'an 161. Il y avait Ibrahim Adham, Rahim Allah. Ibrahim, c'est un grand savant, docteur de la loi. Tout le monde venait le voir pour apprendre de lui. Un jour, un Irakien, donc un Bagdadi, arrive le voir et dit, « Ibrahim, je suis un grand pécheur. Donne-moi un conseil. » Il a dit, « Je vais te donner 6 conseils. » Très bien. Il lui dit, « Le jour où tu as l'intention de pécher, le jour où tu as l'intention de pécher, arrête-toi de te nourrir. » Oh, comment puis-je arrêter de me nourrir alors que Dieu a décrété toute ma subsistance? Il dit, comment oses-tu te nourrir de la nourriture d'Allah et tu pêches devant lui? 2. Il a dit, si tu vas pêcher, alors cache-toi pour que Allah ne te voie pas. Il dit, comment puis-je me cacher alors qu'Allah voit tout et il entend tout? Comment oses-tu manger sa nourriture et tu pêches devant lui? Tu ne te caches même pas devant Allah. 3. Il dit, le jour où tu as péché, sors du royaume d'Allah. Il dit, comment puis-je sortir du royaume d'Allah? Il s'étend de l'Orient à l'Occident. Comment oses-tu pécher dans son royaume devant lui et tu manges sa nourriture? 4. Le jour où l'ange de la mort, Malik al-Maut, viendra prendre ton âme, ah, il va prendre ton âme, dis-lui non, remets ça plus tard. Mais comment il acceptera cette requête de remettre ça plus tard? Il a dit, repends-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard, le jour où il va prendre ton âme. C'est trop tard.
Le jour où tu te repens, et il est là, c'est trop tard. Repends-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Repentons-nous, mes frères, on n'a pas envie. Il faut se repentir. Mais il faut se préparer dans les bonnes conditions. Ensuite, il est dit, le jour où tu vas être dans la tombe, il y aura Mankir et Nakir, ces deux anges. Avec quoi? Avec les cheveux qui vont toucher le sol, la tête dans les cieux, les pieds enfoncés dans la terre et la voix comme le tonnerre. Quand ils vont t'interroger, qui est ton Seigneur? Dis non, remettez ça plus tard, revenez plus tard. Mais comment peuvent-ils accepter cela? Il dit alors maintenant, réponds favorablement dans ce bas monde pour que cela te facilite à répondre favorablement dans l'au-delà. Et ensuite, il a dit, le jour où tu vas être sur le pont Sirat, à la vitesse de l'éclair, fonce, fais marche arrière, reviens sur la terre. Mais comment il peut accepter? Repends-toi. Repends-toi maintenant. Il a fait l'ablution, il a fait la première rakat. Il est mort, il n'a même pas terminé la deuxième rakat. Ouais, mes frères, tu n'es même pas sûr de mourir, repentir. On va mourir, ça c'est sûr. Mais tu ne sais même pas que, avant de mourir, peut-être que tu vas pas faire taouba. Peut-être que tu n'as pas le temps d'aller demander pardon aux autres. Rembourser tes dettes. C'est ça le pire. Hein? C'est pas de mourir. Le pire, c'est quoi? C'est que tu vas arriver devant là. Là, il faut assurer. Tu as beaucoup de gens qui t'attendent là-haut. Il faut payer la facture. Comme un rabbin juif, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu sais, quand tu vas au magasin, Faisal, tu es obligé de payer la caisse. Là-haut, tu es obligé de payer la caisse. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Dhul Jalal wal Ikram. Allahumma arham Mustafa, Allahumma arham Sulayman, Allahumma arhamhum bi rahmatika ya Rahman Rahim. Allah fait miséricorde à Sulayman, élargit sa tombe, illumine sa tombe, mets la compagnie des anges, mets-le auprès de toi et donne-lui un paradis large comme les cieux et la terre. Allah Mustafa, élargit sa tombe, rafraîchit sa tombe, mets les gens dans sa tombe, rentre le paradis large comme les cieux et la terre. Les deux, Allah, fais-les traverser le pont Sirat à la vitesse de l'éclair. Allah, pardonne-nous, car nous sommes ingrats. Pardonne-nous, car on récite plus ton Coran. Pardonne-nous, car on n'embrasse même plus nos parents. Et Allah, on n'embrasse même plus nos parents. On n'appelle plus nos parents. On reste même plus avec nos parents. Et Allah, on a honte. On a honte parce qu'on sait qu'on te désobéit. On sait qu'on est loin de toi. On sait qu'on est loin de notre famille. Et Allah, pardonne-nous. Aie pitié de nous. Allah, ramène-nous vers toi. Allah, ramène-nous vers ton messager, le Dieu. Ramène-nous vers ta religion. Ramène-nous vers la mosquée. Ramène-nous vers le Coran. Ramène-nous vers la sadaqa. Ramène-nous vers l'amour. Allah, retire la jalousie dans les cœurs. Retire-nous la rancune. Retire la haine. Retire l'hypocrisie. Retire l'orgueil. Retire la vanité. Retire l'espionnage. Et Allah, retire ces maladies qui vont nous détruire dans l'au-delà, qui vont nous attaquer dans la tombe. Ya Allah, facilite-nous, facilite à la communauté, facilite à nos sœurs. J'ai une bonne nouvelle. Mes frères et mes sœurs, je connais une fille depuis longtemps. Elle s'appelle Kelly. Elle s'est mariée avec un de mes anciens ouvriers, alhamdoulilah. Et je suis content pour elle, elle est heureuse. Et mashallah, elle est catholique et lui, c'est un musulman. Et alhamdoulilah, en islam, tu as le droit de te marier avec une catholique. Et alhamdoulilah, elle est heureuse. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle est venue me voir il y a la semaine dernière. Depuis que je suis mariée avec mon mari, jamais il m'a ordonné de manger quoi que ce soit, halal ou autre chose. Jamais il m'a dit de mettre le voile. Jamais il m'a dit de faire la prière. Mais j'ai dit, je le connais trop bien. Il a un agneau, c'est un agneau. Il m'a dit, il m'a jamais forcé quoi que ce soit. Je l'aime, il m'aime, et j'ai envie de faire une vie. Je te cache pas, j'étais catholique, j'étais pas toutes les portes. Les évangélistes, même les témoins de Jéhovah, je suis parti pour voir ce que c'était. Et pourtant, personne ne les aime. Il m'a dit, j'ai tapé partout, j'ai rien vu. Et je sens rien. Elle m'a dit comme ça. Et quand je vois mon mari, je sens quelque chose. Je vois dans votre religion que tu sens quelque chose. Nous, moi, je prie. Elle m'a dit comme ça, Faisal. Quand j'étais à l'église, je m'asseyais, je priais. Le prêtre faisait un discours, mais c'était vide. Et on ne sentait rien. Maintenant, dans notre prière, on est assis, on ne sent rien. Elle me dit, je prie même pas que je sens quelque chose. Elle me dit, je crois que je suis prête. Elle me dit, ma soeur, tu es prête à venir vendredi prochain? Elle est venue tout à l'heure. Elle est venue avec sa petite fille, sa blondinette. Elle est venue, elle dit, comment je dois faire? Tu es prête à venir? J'ai envoyé deux sœurs avec elle, très gentilles, qui sont là. Elles ont acheté un petit hijab, machallah. Elle est venue, elle est là, Kelly. Et Kelly, elle va embrasser l'islam. Ah, encore une sœur parmi nous, mes frères. Une sœur parmi nous qui aime cette religion. Enfin, donc, mes chères sœurs, inshallah, vous allez témoigner, et vous allez témoigner. Et Kelly, ma sœur, tu vas répéter derrière moi. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Deuxième fois. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدًا رسول الله. Troisième fois. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bravo ma sœur Kelly. T'es avec nous, Inch'Allah, t'es dans la grande famille de 1 652 millions de musulmans. Inch'Allah, tu resteras avec nous jusqu'à ce qu'on parte chez Allah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Aqim as-salat.